Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Seb et avec Lori. On est à Virtual Shock, un endroit où c'est la réalité virtuelle du futur. Et on va vous présenter tout ce qui se passe ici. Donc Seb, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as construit ici? On a créé une salle de réalité virtuelle complète basée sur les simulateurs. Donc on a mis des simulateurs auto en 5v1 pour avoir toutes les sensations de la voiture. Donc les accélérations, les freinages, les virages, plus le travers pour bien s'amuser. On a aussi des catwalks qui vont nous permettre de courir dans les jeux directement. On va se déplacer avec des chaussures. Ça c'est top, ça change un peu de ce qu'on avait pour ceux qui connaissent la réalité virtuelle, c'est le futur. Et puis on a chopé un gros cinéma aussi en réalité virtuelle, un truc dynamique où on peut interagir pendant, donc de quoi bien s'amuser. Qu'est-ce que tu peux nous donner l'adresse Ici c'est 13 rue Paul Pioda à Bourg-en-Bresse, on est à côté du champ de foire, on a des parkings partout autour, donc pour se garer aucun souci. Voilà. On n'a pas eu de problème pour se garer, parking gratuit à côté, en plus. C'est parfait. Donc là Seb, explique-nous où est-ce qu'on est, on est sur de la voiture. Hein, exactement, donc ça c'est nos simulateurs, c'est des T1000, donc c'est du simulateur avec 5 gros V1. Donc il y en a 4 autour, plus un qui est caché là-bas dessous au milieu. Celui du dessous va nous permettre de faire les gros travers. Donc c'est quelque chose où on va bien ressentir complètement l'immersion dans le véhicule. En plus avec le casque VR, donc tout de suite avec le cockpit de la voiture, ça c'est assez immersif. C'est toi le professionnel de la voiture? Soit la vitesse avec les palettes, soit... Allez, on va en manuel. Vous roulez là ou quoi? Mais j'attends Asma moi. Vas-y, Cindy, on dirait elle conduit, elle va au supermarché là. Cindy, c'est quoi cette prise de volant là? Quoi? C'est quoi cette prise de volant avec la main? Mais je ne comprends pas ce que tu me dis. Mais qu'est-ce que tu fais au pit stop? Elle est dans les supermarchés. Oh putain. Mais en plus, il y a vraiment des mecs. Ouais, tu conduis bien là, Asma, tout droit et tout. Ouais, tout droit. Après, ça va... je vais partir dans tous les sens, tu vas voir. Ah ouais. Bonne sensation parce qu'il m'a tapé alors qu'on était à fond de 6 au bout de la ligne droite. Et là, je suis vraiment parti comme ça. J'avais vraiment l'impression de tourner complètement. Ouais, c'est sûr que c'est impressionnant. C'était ouf. Ça, c'était top quoi. Donc là, Seb, on est à côté du truc qu'on nous disait hors caméra que moi j'ai vu sur internet et qui attire l'œil quoi. Ouais. C'est ce fabuleux vaisseau spatial qui est juste de folie. Exactement. Donc ça, c'est un gros cinéma en réalité virtuelle. Donc avec des gros V1 en dessous, il balance du vent, il vibre. Et en plus, on peut interagir dans le jeu. On a des petits boutons bleus là-bas qui vont nous permettre de pouvoir tirer dans certains jeux. En fait, c'est un peu comme le cinéma qu'on voit dans les fêtes foraines ou Futuroscope, mais avec en plus l'interactivité. Quoi. C'est ça, exactement. Plus la réalité virtuelle aussi qui manque en général. Moi, j'ai hâte. On va tester ça. Un requin. Chope le requin. Je peux chuter, non, j'ai la tête. J'ai tenté le coup. Toi aussi t'as essayé de tirer? Bah oui, il y avait un requin. Oh, elle est belle. Quoi, y'a Jésus? Non, c'est Dragon de Dragon Ball. Oh, c'est Sheron. On a droit à des vœux alors. Vas-y, essaye. Ah, on tire des missiles maintenant. Donc là Seb, on est à côté du catwalk. Moi c'est le truc qui me fait rêver parce que comme je connais bien la VR, j'ai un Oculus chez moi. Donc les catwalks c'est des trucs où on peut marcher directement dans le jeu. Donc on a les surchaussures. Ça c'est les surchaussures, donc en fait c'est des bouts de
de plastique en fait qu'ils vont avoir sous le pied qui vont permettre de glisser en fait au sol. On a un gros capteur qui est ici, on en a un autre qui est derrière sur le catwalk ici. Lui il repère quand on fait les mouvements sur nous-mêmes, il nous permet de faire tout. Ah ouais, non, ça monte, donc ça on peut sauter légèrement, on peut se baisser vraiment bas. Et ben c'est parti. Mets-toi. Allez, assieds-toi. On va te mettre ça déjà au pied. On bien la pointe d'abord. Et gauche. Ouais. Non. Ah merde, t'es droit. Ouais. C'est gauche et t'as gauche. Ouais, gauche pour moi. Pour moi. Je t'ai demandé parce que j'étais arrivé par pas ça. Moi. J'oublie, hein. Ah. T'arrives ? J'ai aucune souplesse. Max, on gagne, hein. Je suis en train de courir pour me déplacer plus rapidement. Cours, 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 cours. Oh, non, t'as eu. Je vais l'avoir. Cours bien. Alors, monte sur le tapis qui est comme ça, là, qui est pas glissant. Accroche-toi en haut. Et rentre dedans. C'est ce que je veux dire, ça glisse. T'as juste bien ça comme ça, moi je vais te glisser. T'as moins besoin de serrer que moi. Ah bah là, je peux tirer. Vous entendrez que t'es du ventre. Le droit de musculature. C'est la musculation. Ouais. C'est les abdos du bas. J'ai oui, voilà. Wow. C'est bon là. Ah, t'as maintenu quoi. Oh ouais, là je suis maintenu là, aucun problème. Là. Tiens, tu peux essayer de marcher si tu veux déjà. Oh, j'ai tellement... Ok, des munitions. Donc vous êtes tous les deux contre le rouge, hein. Ah, ok. Et comment je reconnais mon pote? Nous, on est les blancs, du coup. Tu vois ou pas? Ah, tu vois? Je vois pas, lui. Il a gagné parce qu'il avait plus d'adversaires. Exact. Donc forcément c'est des maths, mais il connaît pas les c'est maths. Ça, j'ai aucun mérite. Il connaît non. pas les maths. Je suis deux contre vous. Avec un qui sait pas marcher, plus vieux, avec des lunettes. Alors, garde un petit peu les jambes, je vais te. Elle obéit plus qu'avec Max, hein. Quand il dit écarter les jambes, hein. Ça fait une belle poser, image, hein. Pourquoi la prière? Regarde la On est dans le principe. Ah oui, j'ai oublié ce petit. Ah oui. On a oublié ce petit détail. On dirait Mickey, t'as le short de Mickey. Oh non. Qu'on
Pompi Paradise. Ah mais moi je cours là, vous êtes où là? Mais je sais pas, mais écrit, je suis fou, il tombe. Où ça? Ah mais c'est toi qui... Mais c'est toi qui... J'ai trouvé la camp. Donc voilà, on va faire un petit bilan de cette expérience à Virtual Shock qui se situe à Bourg-en-Bresse. Donc le premier truc qu'on a fait, c'est le cinéma 5D. Ouais. C'était comment? C'était génial. C'est encore mieux que Star Wars à Disney. C'est encore mieux que Star Wars à Disney. La voiture. La voiture, ça c'est top. La voiture, c'était bien, c'était la sensation de dérapage. Dérapage, oui, le latéral et tout. C'était ça, c'est top. Surtout à la fin quand il m'a tapé à 8000 km/h. Non mais attends, on était à 300, tu te fermes la porte alors que... Je ferme la porte, boum. Donc j'ai fait les valses de Vienne comme ça et c'était une super sensation. Merci. Merci pour cette sensation. Et vous les filles alors, la voiture? Moi j'ai fait mes courses parce que la semaine était trop loin. Ouais, je me suis fait plaisir. Je l'ai fait en arrière, un peu à la Ready Player One. Non, ouais. Simulateur de parking, vous avez fait simulateur de manœuvre en voiture. Après, on a fait 4 wall. Ça, c'est physique, ça. Les mecs sont bien. Les mecs sont bien, d'autres, mais moi, j'ai pas réussi à marcher correctement. Si elle a marché bien, toi, t'as marché bien, toi, t'as pas marché bien. Un peu comme toi. Moi, j'ai bien marché. Toi, t'as bien marché. J'ai bien marché. Moi, j'ai réussi à avancer, contrairement à toi. Bien sûr, on a laissé gagner Mitch, notre aîné. Face Oui, quoi. D'accord. Et c'est vraiment c'est un cran au-dessus quand même de l'Oculus, je trouve, et du Vive classique en termes de rendu. C'est... Voilà. Vraiment super. Donc si vous voulez venir ici, c'est à Bourg-en-Bresse Virtual Shop. L'adresse était donnée au début de la vidéo. Je la mets dans la description. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.